Bonjour les amis, cinquième jour de Séoul, nous sommes le 6 juin et aujourd'hui comme j'ai dit hier c'est une journée spéciale, c'est une commémoration pour tous les civils et soldats tombés pour le pays. Donc là nous allons aller au cimetière, à ce qui paraît devrait y avoir une grosse cérémonie là-bas, donc c'est parti. Alors on m'avait prévenu de venir à l'avance parce qu'effectivement il va y avoir beaucoup de monde. Ah, quand on me disait qu'il y avait du monde, c'est qu'il y a du monde. Ce qu'il y a de bien, c'est que là on peut pas se tromper de route. Il n'y a pas besoin de savoir la langue ou quoi. Voilà. Il suffit juste de suivre. Voilà. La rangée de bus là-bas. Est-ce que vous voulez des larves? Spécialité locale. Bah, du coup, dispersion, les gens ils vont dans tous les sens. Je sais pas où faut aller. La classe avec la moto lui. Alors en fait, quand t'es le chef tu vois, quand t'es quelqu'un d'important, il te faut une voiture noire. Ouais. Là, y a plein de chefs. Ouais. C'est tous les boss, ils sont venus, ils sont garés là tu vois. Alors on sait pas où on va, on sait pas si on a le droit mais on y va. Donc les gens viennent tous en famille avec la tente, des parasols, ils s'amènent à manger pour rester toute la journée. Il y a vraiment un respect des ancêtres et des traditions. Donc en fait c'est gigantesque. Voilà, bon, en fait l'entrée c'est par ici. Mais il y a beaucoup de monde et il fallait acheter des tickets et il n'y a plus de tickets. Bon, alors là, pour de bon, on est les seuls étrangers. En fait, la cérémonie elle est juste derrière nous, je vais voir si on peut pas la voir de quelque part. Voilà, en fait, les détonations qu'on a entendues tout à l'heure, c'est qu'ils ont tiré avec ça. Oh, le monde qu'il y a. C'est dingue, hein? Je sais pas si on pourra voir. Voilà, c'est bon là, je peux passer en courant. Ouais. Donc, c'est dur que tu cours 4 mètres. Pas plus. Ah, parce qu'avec cette chaleur, moi j'ai chaud. Mais j'ai de l'eau. Mais le mec qui est au soleil là, il a pas de chance hein. Non. Mais lui par contre, lui il est pistonné. Il fait pistonner. Hum. Hein? Je suis sûr. Ouais, ils ont décidé de faire un pique-nique en famille. Toutes les familles sont là quoi. C'est impressionnant. C'est énorme. Ah ouais, carrément. Which country are you from? France. France. Je suis très content d'être venu parce que ça c'est pas du tout une activité touristique. D'ailleurs on est les seuls occidentaux de tout le monde que j'ai vu. Et voilà, du coup on arrive après. On n'a pas pu y assister à cette cérémonie. Je suis vraiment très content d'être venu. Bah, déjà on était les seuls occidentaux. Et c'est vraiment une fête très importante dans leur culture. Et donc voilà, j'ai pu être un peu avec eux d'une façon différente là. Thank you.
sommes en compagnie du groupe Corée Voyage, une agence de voyage sur Séoul qui s'occupe d'organiser des voyages pour les Français. Donc ils vont nous en apprendre un peu plus sur la ville et sur leur façon de vivre. Bon bah il est 8h, nous sommes dans les rues de Séoul, dans un quartier qu'on ne connaît pas encore. Et je peux vous dire que ça bouge énormément. Malgré qu'il y ait beaucoup de monde dans les rues, ben, l'ambiance est vraiment très sereine. Le premier chien lion. Hein ? Pas mal ? Pas mal, j'aime bien la coupe. Ouais. C'est stylé. Et on joue. Ah, c'est stylé. Donc voilà, ce soir ce sera un barbecue traditionnel avec l'équipe de Corée Voyage. Je vais vous présenter à ma gauche Félix, le directeur de l'agence, avec ensuite Pierre, son assistant, on peut dire. Et pour terminer, Mylène. Une nouvelle recrue. Voilà, donc on va passer un très bon moment avec un très bon repas. Et la façon de dire bon appétit en coréen, c'est... Mashike tuseo. Et bonsoir les amis, ça y est, la journée se termine. Alors on a passé une journée encore très très intéressante. Ce matin, on a été pour la commémoration en contact direct avec leur culture. C'était vraiment très très intéressant. Et ce soir, on a passé un moment très agréable avec toute l'équipe de Corée Voyage. Donc je vais mettre leur lien dans la description de la vidéo. Et si jamais vous êtes intéressé, que ça vous a donné un petit peu envie, tout ce que je vous montre depuis le début, à venir à Séoul ou en Corée, ben je vous invite à regarder leur site internet. Parce que l'avantage, c'est qu'eux, ils sont basés sur Séoul. Donc une fois que vous arrivez sur place, si vous avez des informations à leur demander ou ils organisent beaucoup d'activités, bah ils sont là. Donc écoutez, moi je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne nuit. J'espère que la vidéo d'aujourd'hui vous aura plu. Demain, on va faire un truc vraiment vraiment sympa. On va aller visiter une prison. Donc, ouais. Je vous dis à demain et hasta la vista!